Ici, tout commence. Spoilé, 2. Louis fait un aveu choc à Lionel. Salomé découvre la vérité sur Swan, tandis que Noémie est en panique lors de l'épreuve finale, dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Louis fait un aveu choc à Lionel. Tandis que Jasmine trouve un moyen de gagner de l'argent. Dans l'épisode d'Ici tout commence, programmé le mercredi 10 août 2022 à 18h30 sur TF1, après sa découverte, Salomé confie à Anaïs ne pas avoir dormi de la nuit et refuse de se convaincre que Swan est coupable. Par ailleurs, la dernière épreuve du championnat a lieu. L'équipe de Noémie va affronter celle du chef de Mire, tandis que Tessia et Cardone s'affronteront le lendemain. Noémie perturbée en pleine épreuve, Swan avoue la vérité à Salomé, dans Ici tout commence sur TF1. En pleine épreuve, Noémie fait une crise de panique. Sa séquestration pendant 2 semaines semble avoir laissé des traces. Greg tente de la rassurer, et prend les commandes. Finalement, la chef Matré a réussi à sortir un dessert, ce qui épate Tessier contrairement à Cardone. Mais, il y a peu de chances pour que Noémie et Greg gagnent le championnat. Par ailleurs, Salomé piège Swan en demandant de l'aider en cuisine. Il confesse utiliser l'huile essentielle de mandarine verte, soit l'odeur que Noémie a sentie lors de sa séquestration. La jeune femme a peur de son copain, et celui-ci tente de la rassurer. Swan confie être responsable des menaces et de la séquestration, mais demande à Salomé de le laisser concourir pour l'épreuve finale. Il révèle être le fils d'Alban. Charlène souhaite annoncer ses fiançailles avec Louis sur Instagram, mais celui-ci se montre réticent. Il finit par la convaincre d'attendre le retour de son père, mais la jeune femme tease sur Instagram en promettant un grand événement prochainement. Plus tard, au pop-up, une élève, fan du couple sur les réseaux sociaux, cherche à en savoir plus, mais Charlène garde le secret. En revanche, elle le révèle à Kelly. Lionel félicite Louis pour son mariage et remarque que celui-ci est mal à l'aise. Le fils de Claire découvre une story où une personne révèle leur fiançailles. Lionel ne comprend pas la réaction de Louis. Acculé, ce dernier avoue son pacte avec Tessier. Ainsi, Louis est piégé par la situation. S'il révèle ce qu'il a fait contre Tessier, Charlène, elle va le quitter, et s'il ne se marie pas, elle fera de même. Le refus choque de Solal, Jasmine se met au pari en ligne. Jasmine a des soucis financiers. Cela fait 2 mois qu'elle est dans le rouge et reçoit des appels de son banquier. Ayant besoin d'une somme importante, Axel ne peut pas l'aider. Ainsi, elle décide d'aider Solal en cuisine et profite pour lui demander de l'argent, comme ses parents sont très riches. Mais, le jeune homme refuse catégoriquement. Plus tard, Jasmine croise Kelly et Lionel dans le parc. Ce dernier vient de gagner 100 euros grâce à un pari sportif. Jasmine demande des explications sur le fonctionnement des paris en ligne à Lionel. Puis, Axel rejoint Jasmine chez elle. Cette dernière fait la danse de la joie après avoir remporté 800 euros grâce à un pari. Axel met en garde sa copine, et lui demande de ne plus rejouer, car son frère a été addict au pari en ligne, et cela a été un enfer. Jasmine finit par rassurer son copain. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.